On va revenir en direct maintenant avec Sébastien Taillac, qui terminera, lui, sûrement parmi les 5 meilleurs gymnastes français aujourd'hui, avec un double tendu entrée au sol. Voilà, jeune gymnaste de 19 ans, c'est la relève. Voilà, avec un objectif prioritaire, bien sûr, Atlanta, mais aussi Sydney en l'an 2000. Bel athlète. Beaucoup plus puissant que Éric Poujade et Sébastien Taillac, donc, qui joue une place sur le podium maintenant, puisque dans ce classement national, il y a Frédéric Lemoine, Bernard Pellard et Sébastien Taillac qui va devancer Éric Poujade s'il termine bien son sol. Encore qu'il reste deux épreuves test, le cheval d'arçon et la barre fixe. Bien enlevé. Oui, c'est le tour arrière corps groupé pour terminer son exercice. Eh bien, Sébastien vient de réaliser une belle performance au sol. Espérons que ça lui permettra effectivement d'accrocher le podium. Voilà, on vous parle des hommes, mais on vous parlera des demoiselles tout à l'heure, parce que la lutte est aussi extrêmement sévère entre Élodie Lussac, qui apparaissait comme l'une des grandes favorites, et qui est inquiétée par deux jeunes filles de 14 ans. Mais tout cela, bien sûr, nous avons près d'une heure et quart pour vous en parler. Alors maintenant, après ce ralenti de Taillac, eh bien, on va vous proposer celui qui a repris la tête du championnat de France, Frédéric Lemoine, au sol.